5, 4, 3, 2, 1. Si tu veux un truc, c'est pas en restant bouche cousue que tu l'auras. Oui, toi, oui. Si t'as un problème, mon neveu, tu me racontes ça et après tu files sortir les poubelles et tu me boucles la porte de derrière. Disons que depuis tout petit, j'entends des histoires sur toi. Et je te vois passer tes journées à jouer aux échecs. Je vois, t'as une image de moi qui colle pas trop avec le golf, les parties d'échecs et les costumes de marque. L'Afghanistan, l'Irak, les forces spéciales, et toutes ces histoires du Rambo Black qui prend d'assaut Fallujah à lui tout seul. Écoute, je t'explique. Les gens rajoutent toujours parce qu'ils ont besoin de se fabriquer des mythes. Mais en réalité, moi, je suis tout sauf un Superman. En vrai, j'aime pas me battre. Lui, ton oncle Cody, ça, c'est un vrai bagarreur. D'ailleurs, il arrive la semaine prochaine, et comme il va rester pour m'aider à faire tourner le bar, t'auras droit aux histoires d'oncle Cody, tout droit sorties de la bouche du gars qui les a vécues. Mais d'abord, tu vas me vider ces poubelles, que je puisse te reconduire chez toi. Je voudrais surtout pas que ta mère vienne me reprocher de te faire faire des heures sup. T'as vu ça? Notre bien-aimé Carmine est devenu un putain de repère pour hipster basané. Et là, je dis non, bordel. Pas tant que je serai en vie. Oh, c'est qui le boss? Bon, alors je t'explique. Moi, je reprends le bar. Je t'en offre 20 000 de plus que tu ne l'as payé. Toi, tu plies bagages et tu retournes t'installer à Bushwick chez ces putains de sauvages. Hé, ça roule? Capiche? Pas capiche, non. Je vous prierai de sortir, le bar est fermé, messieurs. Hé, hey, oh, connard! Tu sais à qui tu causes? Oh, calme-toi, Polly, je gère, tu veux? Comment tu t'appelles, petit malin? Payne. Ça tombe bien. Je vais t'en faire, moi, de la peine. Écoute-moi bien, Payne. Il faut comprendre que ce bar, il a, comment dire, une valeur sentimentale pour les gens de ma communauté. Beaucoup de nos grands hommes ont bu ici, ont saigné ici, certains même y sont morts. Alors tu vas accepter mon offre, pendant qu'elle est valable, et te barrer loin d'ici, sinon je te... Échec et mat. Vous savez quoi? Je respecte le côté sentimental, je peux comprendre ça, vraiment. Je sais ce que peut ressentir un enfant qui a vu son père être battu à mort dans un bar où il lui était interdit d'entrer. Et je sais aussi ce que ressent ce petit garçon. Quand devenu adulte, il se retrouve propriétaire de ce même établissement. Alors primo, vous auriez dû tourner les talons quand je vous ai dit non. Secondo, il aurait fallu vous excuser quand vous avez bousculé mon neveu. Ça encore, j'aurais trop rien dit, il a besoin de s'endurcir un peu. Et tertio, cette histoire de basané, vraiment, y a aucune excuse pour ça. Bref, rien qu'à votre façon de causer et à voir vos espèces de fringues de baltringues, j'en déduis que vous êtes sorti depuis peu. Faut que je vous explique, il s'est passé 2 ou 3 trucs pendant que vous étiez en prison. Les éviers, hein? Suffit de passer votre main sous le robinet et l'eau coule toute seule. Oh, et puis, on a eu un black et un crétin orange comme président. Et ceci, là... C'est fini, c'est plus le Carmine. Ouais, surprise. Toi, c'est clair que t'as pas la moindre idée de qui est le gars avec qui tu causes. Et toi, ce qui est clair, c'est que t'es loin de te douter à quel point ça, j'en ai vraiment rien à foutre. Voyons. Je vous fais un petit topo. Toi, pour commencer, je vais te casser la mâchoire et quelques os. Et puis après, je vais te faire passer par la fenêtre. De toute façon, je voulais les changer, celle-là. Et Polly, je me le réserve pour la fin. Comme ça, il pourra te raconter comment ça s'est terminé pour toi et de quelle façon t'as fini au poste. Je crois pas que les flics sauteront de joie en voyant le 380 que tu te trimballes. Mais... tu as bien fait de te pointer armé. Sauf que, malheureusement, t'as fait
une petite erreur. Ah ouais? Laquelle? Tu m'as laissé m'approcher trop près de toi. Tiens, attrape. Je croyais que t'aimais pas te battre. J'aime pas. En plus, normalement, une bagarre, c'est un échange de coups. Et là, ces deux enfoirés, ils m'ont laissé faire tout le boulot. Attrape un balai. Et mets-toi au travail. Les flics vont pas tarder. Si tu m'apprends à me battre, promis, je dirai pas à maman ce qui s'est passé. Je te l'ai dit, je me bats pas. Faudra voir ça avec ton oncle. Payne. Très bien, ouais, j'y serai. Ouais, merci pour l'appel, Arnold. Oncle Cody va manquer l'ouverture. Monsieur Briggs vous attend en premier. Assure-toi que tout est sous clé au sous-sol. Bien, monsieur. Arnold. John, je pensais pas te revoir un jour en Europe. Ouais, bah figure-toi que je comptais pas y revenir. Suis-moi, je vais te faire visiter. On s'est un peu modernisé depuis la dernière fois que t'es venu. Hein, je vois ça. Tu comptes rester longtemps? Non, je repars une fois Cody enterré. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. Merci, je l'oublierai pas. J'ai pris des dispositions pour les funérailles, elles auront lieu mardi. Je viendrai avec Blanche. Après toutes ces années, elle arrive encore à te supporter. Eh ouais. Béni soit-elle. Tu le ramènes pas au pays? Non, il aurait préféré rester ici avec les autres membres de l'équipe, tu devrais le savoir.
Les choses changent, John. Tu devrais le savoir. Ouais. Je vois que c'est toi qui dirige l'unité. Non, pas seulement cette unité. Je suis à la tête de toutes les unités. Je suis le roi du monde, John. Mais le vent a tourné depuis ton départ. Les États-Unis, Israël et même les Anglais nous surveillent. La moindre erreur et on se retrouve à la rue. Alors je voudrais pas avoir de problème avec toi. T'en fais pas pour moi, Arnold. Ouais. J'ai aucunement envie de revivre le passé. Alors on s'occupe de ton frère et ça s'arrête là, on est d'accord? On l'est toujours. Bien. Alors? Tu comptes me dire ce qui s'est passé? Si tu y tiens, John. Cody, attends! Attends-moi! La femme, ça a été la goutte d'eau pour ton frère. Même l'équipier de Cody a failli péter les plombs. Et ce gars, crois-moi, il en a vu d'autres. Cody! Cody! Oh, fais chier! Accroche-toi, mon vieux! Merde! Ouais, Mason Bellows, c'est ça? Un type basé en Afrique. Très bon élément. Un peu tête brûlée, peut-être, mais un sacré bon sniper. Il formait une super équipe, ton frère et lui. Où en est l'enquête? Me dis pas que vous avez rien trouvé. Oublie ça, John. Je t'en prie, Briggs. Mason et ton frère faisaient partie d'un groupe d'intervention chargé d'infiltrer un nouveau réseau de trafiquants de drogue basé dans le secteur et visant toute l'Europe. Des méchants, ces gars. À mon avis, leur organisation n'a pas encore atteint un stade entièrement opérationnel. C'est pour ça que la DS se contente de les surveiller pour moi. Et t'es à la retraite, John. Tu tiens un bar. Et j'aimerais que ça reste comme ça.
Toutes mes condoléances. Vali Bibescu, police de Bucarest. Cody était un homme remarquable, tout le monde l'appréciait ici. Vous étiez proche? On œuvrait pour la même cause, vous savez, ça crée des liens. Chérie, tu veux bien m'attendre dans la voiture? Tu dois avoir les pieds gelés. Oui, bien sûr. Vraiment désolé pour votre frère. Merci. Écoutez, je connais votre passé. Tout le monde ici le connaît. Soit les gens ont travaillé avec vous, soit avec Cody, ou même avec les deux. La disparition de Cody comporte des zones d'ombre. D'une façon ou d'une autre, elle est liée au meurtre de son indique. Laissez-moi un peu de temps, que je mette de l'ordre dans ces affaires. Et ensuite, je compte sur vous et Mason. Je veux vous voir très vite. Bien sûr. Merci d'être venu, Vali. Je suis désolé pour votre frère, vraiment. Vous repartez à New York? Non, j'aime assez Bucarest. Je crois que je vais jouer les touristes. J'étais là quand ces salauds l'ont eu. Ces salauds? Cette ville grouille d'ordures. Et vous savez où les trouver? Ouais. Vous ne sentez rien. C'est là, dans l'air autour de vous. Dans le vent. Les portes vont s'ouvrir. Et les démons apparaîtront. Toi, va m'attendre à côté. Bon, les gars, c'est chaud pour nous. Gardez l'œil ouvert et au moindre problème, vous m'appelez. Compris? Pas de soucis, oui, patron. Allez, filez. Vous êtes qui, vous?
J'ai deux encombrants dont je dois me débarrasser. Tu te trouves où, là? Au studio de Frankie. Je file le train à Vig. Oh, fais chier. Tu bouges pas, d'accord? J'arrive tout de suite. Eh, hey, j'ai pas le temps. Je vais balancer les corps à la morgue. Mais toi et moi, il faut qu'on se voit. D'accord. Alors disons qu'on se retrouve demain dans la matinée. Et pense à la bande. Briggs doit la voir. Il faut que cette merde sorte au grand jour. D'accord. Et surtout, fais gaffe à toi. Toi aussi, fais gaffe. Je peux savoir ce que tu fais encore là, toi? Tu sais que tu rates la partie de Scrabble du siècle entre ma sœur et son mari? Désolé. C'était Mason, un petit souci au boulot. Mm. Souviens-toi que tu dois les emmener à l'aéroport dans la matinée. Leur vol est à 8 heures. Oh, mon Dieu, ça m'était sorti de la tête. Non, c'est vrai? Allez, j'irai. Oh, et ta fille tente de battre le record du monde de marathon sous la douche. Il faut qu'elle sorte, histoire de dire au revoir. Je te laisse, tu fais ça mieux que moi. D'accord. C'est bon, je descends. Je vois. Et tu comptes faire quoi avec ça? Non. Je te sens un peu tendue ces temps-ci. C'est à cause de Cody, c'est ça? Tu sais que j'aime pas parler du boulot. Je peux pas entrer dans les détails. Je sais, oui. Je sais, chérie. On va passer une bonne soirée. Essaye juste de te détendre. D'accord, je te le promets. Les réverbères de la rue sont éteints. Je vais appeler la mairie. Génial. Oh non, sérieux, c'est une blague ou quoi? Oh, génial. Maman? Papa? Mon Dieu, Mason, c'est devenu votre deuxième bureau ou quoi? Ce sont pas tous les miens, monsieur. C'est un peu chaud dans la rue en ce moment. Ouais. Cette histoire prend des proportions inquiétantes. Ouais. Faut que ça s'arrête. J'ai besoin de votre silence là-dessus, et surtout, vous la bouclez devant Payne, compris? Il est des nôtres, il connaît les ficelles, peut-être bien qu'il pourrait nous apporter... Il vient d'enterrer son frère. Il en a assez vu comme ça. Ouais. Oh, bordel. Demain, à la première heure dans mon bureau. Et vous restez chez vous ce soir. Et silence radio, ok? C'est un ordre. Bien, monsieur.
Oui, c'est Payne. Salut, c'est Mason. Faut qu'on parle. Où et quand? Hey, comment va, ma belle? Salut. Hey, joli sourire. Bonsoir. Je prendrai un whisky sec. Ça, tout de suite, ça dit touriste. Oh, à ce point-là? Un Américain? À quoi vous voyez ça? Moi, c'est Monica, Slovaque, venue ici pour faire des études et puis je suis restée. Je comptais faire médecine et... j'ai fini comme danseuse. Une histoire que je connais bien. S'il vous plaît, votre attention. Déjà, merci à tous d'être venus ce soir. Si vous voulez bien tourner vos regards avides vers la scène principale, vous verrez que notre prochain numéro mettra en vedette la mystérieuse Sky et son trio angélique. Je ne sais pas ce que dit son regard, mais moi, si j'étais vous, je ferais attention. Surtout qu'elle, elle voulait devenir avocate. Ouais, cette histoire aussi, je la connais. C'est moi. Mason. C'est pas vrai, vous deviez rester chez vous, non? Je sais, ouais. Mais j'ai appelé Payne. J'ai rendez-vous avec lui, là. Écoutez, Mason, je vous ai donné un ordre, pas... Ouais, je sais, j'ai pas oublié, monsieur. Mais c'est le frère de Cody, je sais que je pourrais l'arranger. Mason. Et cette histoire, je la résoudrai pas tout Mason, seul. Mason, quand je parle, vous entendez? Hé, hey, arrête ça, mec. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Parfait. Où est-ce que vous avez rendez-vous? New York. Alors c'est là que tu vis? Quoi? C'est un secret? Une ex n'a pas à le savoir? Oh, ma puce. Sky, New York, c'est pas un endroit pour toi. Ouais. Écoute-moi, Sky. Toi, t'es une fleur. Les fleurs, ça pousse pas sur le béton. Les fleurs, c'est sûr qu'ici, elles courent aucun risque. Hein? Ici, elles sont à l'abri du monde réel. Notre conte de fées me manquait. Ouais. Et à qui la faute, hein? Tu m'as laissé m'approcher trop près. Oh, que oui. Salut, ma belle. Salut, mon gars. Où est-il? Avec Sky. Merci. Payne, merci d'être venu. Je suis ravi de vous voir. Non, j'y crois pas. T'es sérieux, là? C'est pas pour moi que t'es là. Si, bien sûr que si. Je vous laisse régler ça. Mon cul, ouais. Non, mais je rêve. T'es là pour ton foutu boulot. T'as pas pensé une seconde à moi. Avoue-le. Ma puce, c'est cool. Ça va, ça va. Oublie. Oublie. Quel enfoiré. Toujours les mêmes vieux problèmes? Hé, ma belle, ça te dirait de venir t'amuser avec mon ami et moi? Allez, quoi, ça va. Et si on se tutoyait? Ouais. Si t'es ici, c'est que tu veux savoir pourquoi Cody est mort. Parce que toi, tu le sais? Pas encore. Pourquoi on est là, alors? Fais pas d'histoire. Avance, allez. On est là à cause d'une femme. Il y a toujours une femme. C'est bon? Parfait, allez-y. Avance, allez. Laisse-moi une minute. Mais lâchez-moi! Allez, avance! Lâchez-moi! Sky! Lâchez-moi! Hey! Ça va aller? Hey!
Hey, tu l'as entendu, non? Alors tu fous le camp et toi tu la lâches. Arrêtez! Hey, hey! T'as rien à foutre là, toi, dégage! Pas jouer les héros, hein? Le blé qui t'enfilait pour entrer. Allez, donne. Ah, merci, c'est très gentil. Ça va, Sky? T'as rien? Non, ça veut dire non, pigé, connard. Alors ramasse tes clics et tes claques, embarque ton pote et débarrasse le plancher. Hé, hey, t'oublies ton oreille, là. Mon Dieu. Voilà. Ça va? Tu te sens bien? Ça va aller. Je me sens mieux. D'accord. Rentre chez toi, prends un bain, je t'appellerai. D'accord. D'accord. Hé, hey, ça va, mon pote? Je me suis presque inquiété. Oh, c'était rien, juste un gars qui avait besoin qu'on lui tire un peu les oreilles. Et deux McAllen, 25 ans d'âge de la part de notre videur. Merci, ma belle. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à toi que je puisse faire confiance. Ouais, pareil pour moi. Tiens, regarde. Avec ton frère, on travaillait sur l'affaire Toro. C'est tout ce qu'on a. Et maintenant, reste plus que moi et Bibescu. Je connais, ouais. Il est venu me voir au funérailles de Cody. Il avait des infos pour moi. Je crois savoir quoi. Écoute, Vali est tombé sur une vidéo où on voyait une pute exécutée par un enfant de salaud du nom de Joe Vig. C'est l'homme de confiance de Toro. Son lieutenant, c'est aussi une ordure. Un sadique, un vicieux. Bref, sur la bande, ce salaud attache la petite et son souteneur avec. Une paire de menottes, la gamine, tout juste 15 ans. Et ensuite, ce bâtard leur met une balle à chacun. Et c'était filmé. Vali a montré ça à ton frère. Après ça, Cody n'avait plus qu'une idée en tête. Plus qu'une seule. Retrouver Vig. Hé, tire ici, Vig! Lâche cela! Arrête-toi! Arrête cette putain de pièce! Cody! Hé! Cody! Pas de bleu! Ce Joe Vig. Derrière moi. Blouson rouge. Et tu vois le gros lard qui cause avec lui? Le tatoué? C'est Frankie Fine. Il fait tourner la boîte pour lui. Il tient aussi un studio de danse du côté de Postel. Si tu veux Vig, c'est pas compliqué. Il s'y rend les lundis et les jeudis pour voir les nouveaux talents que Fine lui a dégotés. Et qui un jour ou l'autre serviront de mule. Pour la dope. Les filles croient s'en sortir en bossant ici, mais pour Toro, ce sont juste de nouveaux visages inconnus des flics. Ton frère disait qu'il avait de quoi prouver que Toro contrôlait le business de A à Z. Que la preuve lui avait été envoyée par mail par un certain H. Polaski. L'ennui, c'est que cette preuve, ton frère l'a planquée. J'ai été chez lui, j'ai cherché, j'ai tout fouillé, que dalle. Allons, allons, écoutez-moi. C'est à vous, mesdemoiselles, que je m'adresse. Vous êtes jeune et jolie, et vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour vous produire sur ma scène? Eh bien, tentez votre chance, venez auditionner ici même au Cabaret Club. Vali et moi, on a rendez-vous demain matin avec Briggs. On va lui montrer la vidéo. Tiens, cadeau. C'était celui de Cody. Et pour ce qu'il a planqué, j'espère que tu réussiras à le trouver.
Écoute, Payne. Sérieusement, surveille bien tes arrières. Allez, ciao. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je pensais vous avoir dit de rentrer chez vous et d'y rester. Oh, merde. C'était quoi, ça? Une visite de courtoisie? Vous avez bu quelques verres à la mémoire de Quelque chose comme ça, oui. Franchement, je commence à me demander si je suis pas le seul à vouloir résoudre cette affaire. Ça suffit! Écoutez-moi! Toute cette histoire va bien plus loin que le décès d'un agent en mission. On est sur quelque chose dont vous n'imaginez pas l'importance. C'est compris? Oui, monsieur. C'est Blanche. Eh ben, allez-y, prenez-le, votre appel. Blanche? Je sais, ouais, mais cette histoire vire au cauchemar. Je sais que c'est les vacances, et moi aussi je préférerais être à la maison. Une petite seconde, chérie. Jouez pas au con avec moi, Mason. Je suis pas d'humeur et vous risquez de le regretter. Ouais, ouais, je rentre, chérie. On est dans la même équipe, Briggs! On est dans la même putain d'équipe! C'est quoi ces conneries? Frangin, t'as jamais eu d'imagination pour les cachettes. Voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi tu racontes des choses sur nous, Ash? Moi, je croyais qu'on était des amis, non? Mais Cody, lui, il dit que c'est pas vrai. En plus, là, t'as mis Toro en rôle. Alors, tu m'as balancé, Ash? Où est mon argent? Pitié, Toro, je t'en prie, non! Arrache les dents de ce... Je suis pas comme ça, j'ai failli t'arracher la langue. Je la garde pour la fin, la langue. Et là, on commence à peine à s'amuser, Ash. Et voilà, une incisive. Ah, voilà. On va passer au molaire. T'as vu, avec toutes ces dents en moins, on dirait une citrouille d'Halloween. Il lui manque plus qu'une bougie. Je suis désolé, pitié, Toro, j'en peux plus. Considère que c'est un avertissement. Dis-toi bien que la prochaine fois sur la chaise, ce sera peut-être toi.
Ça suffit, trop. Ça suffit. Oh non. Mon frère disait qu'il avait de quoi prouver que Toro contrôlait le business de A à Z, que la preuve lui avait été envoyée par mail par un certain H. Polaski. Je commence vraiment à en avoir marre. Bonsoir, mes jolies. J'espère que je vous ai pas effrayées. Joe, quoi de neuf? Il y avait un gars au club, une table au fond. Vous aviez l'air de le trouver très intéressant. Alors, c'était qui? C'était juste un client. Pardon? C'était juste un client. Oh, pardon, je suis désolé. Ça va, je t'ai pas blessé. À ton avis, je suis stupide? Tu trouves que je suis stupide? Je t'ai posé une simple question. Joe, c'était mon ex, il est venu pour me... Pourquoi? Pour voler à ton secours en cassant des bras et des dents? Juste un client, hein? Moi, je pense que vous devez de l'argent au club, du fric volé à des clients. Ouais. J'ai tout vu, et les caméras de sécurité aussi. Alors, raconte-moi. Je te jure, j'ai aucune idée de... Non, j'ai horreur qu'une salope me morde. Sky, cours! Toi, rattrape-les. Oh ouais, on va s'amuser. Mason, qu'est-ce que tu fous là, bordel? Je venais voir si t'allais bien, vieux. Oh, aide-moi à me relever. Bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu sais, la routine. On a tenté de m'écraser, et toi tu me tapes dessus. C'est chier. Tu sais que j'ai bien failli te tuer. T'es pas le seul à essayer, va falloir faire la queue. Oh, merde. Oh. C'était Joe Vig? Non, il était encore au club quand... Quand je suis sorti, c'était quelqu'un d'autre. T'as pu le voir? Non, il avait un chapeau genre cow-boy. J'ai pas vu son visage. Tu crois que c'était Toro? Ouais, sûrement. Ce gars est une véritable ordure. Il t'a bien amoché, mec. Tu veux une bière? Oh, ouais. Oh, merde. Ah. Les pieds.
Ah, ouais. T'es comme ton frère. Santé. Ah, putain. Payne, je crois qu'ils ont tué Vali. Pourquoi tu dis ça? Bah, il s'est pas pointé à notre rendez-vous. On se retrouve demain dans la matinée. Vali est toujours à l'heure, toujours. Et puis, il devait apporter la vidéo du meurtre de la prostituée et de son Mac. J'ai appelé sur son fixe, sur son portable. Pas de réponse. C'est la deuxième fois que Toro essaye de me faire la peau. Là, il doit me croire mort. Il pense ne plus avoir d'ennemis. Il se trompe, lourdement. Il lui en reste un. Moi. Parle-moi un peu de ce Ash Polaski. Ash? Ouais, c'est surtout ton frère qui le connaissait. C'était son indique. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve son cadavre avec un trou béant à la place de la bouche. Tiens, jette un œil. Ok, voyons voir ça. T'as vu, avec toutes ces dents, pas de doute, c'est Polaski. Où t'as eu ça? Cody. Ouais, avec ça, on a de quoi faire tomber Vig, mais j'ai visionné ce truc une centaine de fois, et l'ennui, c'est qu'on n'a rien sur Toro. Impossible de l'identifier. Sa voix est déguisée, il est... Ce que je peux te dire, c'est que c'est le même mec qui a essayé de m'écraser. Je reconnais le chapeau. Tu sais, l'autre soir, dans le parking, j'avais jamais vu Cody dans un état pareil. Il avait vraiment la rage, ton frangin. Et il était déterminé. Il aurait donné n'importe quoi pour coincer Vig. Ton frangin, il me manque, mec. Ouais. Et la fille, Cody, t'en parlait à toi? Lissy. Ouais, Lissy Love, sans arrêt. Et il parlait de sa sœur. Je savais que ça te plairait. Cet endroit est génial. Dis, tu crois que j'ai le temps de refaire une petite visite avant de rentrer? Oh, ouais, bien sûr. Mais tu m'en voudras pas si je t'attends là? Non, pas du tout. Parfait. Eh ben, fonce alors. Merci de m'avoir invité pour déjeuner. Y a pas de quoi. Cet examen d'histoire, juré, je vais faire un carton. Oh, j'en doute pas. Elle vous ressemble beaucoup. Vous savez qui je suis? Cody et vous, ça faisait longtemps que vous étiez... Mariés? Non, pas très longtemps. Et je l'aimais. Cody, il voulait me sauver. Je sais, oui. Mais vous sauvez de qui? Eh, salut. Salut. On se connaît, non? On se connaît. Et t'es haute comme ça. Et je suis devenue une grande fille. Tu vois ça, ouais. Vous étiez un collègue d'oncle Cody? Ouais, c'est ça. Ça va, toi? Oui. On fait aller. Il me manque. Ouais, moi aussi. C'est Frankie qui m'a entraînée dans leur business. Ils m'ont dit que je devais m'occuper des filles. Soit je leur en trouvais, soit ils détruisaient toute ma vie. Jovig est un fou furieux, mais Toro, lui... Lui, c'est un vrai démon. Et il y a peu de temps, j'ai appris dans quoi il trempait vraiment. Trafic de drogue. J'ai voulu quitter le navire, mais sur ce point, la vigue a été très claire. Si je laissais tomber, c'est Erin qui paierait pour ma désertion. Ma sœur a tout juste 15 ans, John. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il ferait à une jeune fille de 15 ans? Vous n'auriez pas un endroit où la cacher, qu'elle disparaisse quelques jours? On a déjà essayé de s'enfuir. Toro vous a fait ça? Non, mais c'est tout comme...
Vic se charge des châtiments corporels, c'est son truc. Ils m'ont laissé quelques heures pour voir Erin et le délai s'achève bientôt. Il y a un important chargement qui va sortir du pays. C'est pour ça que Frankie avait besoin des filles. Vous devriez prendre soin de vous. Ouais. Toi aussi. Merci. J'ai pas été trop longue? Non. T'es prête? Ouais. Ça va? Ouais. T'es sûre? Allez, je te raccompagne à la gare. Salut, c'est Lord Vig. Savoir qui t'es, mon gars. Joe Vig. Désolé, je vois pas qui c'est. Ah non. Je sais pas qui c'est, je vous jure que... Non. Non. Et maintenant? Eh, vous savez qui je suis. Ah. Et maintenant? Bordel, mais faites venir la sécurité. Dépêchez-vous. Non. Non. Et maintenant? Je tiens le club, c'est tout. La drogue, j'y touche pas, moi. Je vous en prie, allez chercher ailleurs. Vous trouverez rien ici. Je vous en prie. Allons faire un tour. Non. Non. Vig. Sécurité. Sécurité. Où est-ce qu'il est? Dégage. De temps à perdre. On se remue et on embarque tout, on laisse rien. Allez, allez, plus vite. Allez, secouez-vous. On emballe et on dégage d'ici. C'est pigé, on emballe et on dégage. Tu m'as tiré dessus, bordel!
Alors, on s'attaque aux femmes, enfoirées. Ah, j'imagine que tu l'as mauvaise pour Sky, Monica. Ces filles, c'était de la bombe. Un vrai dur, hein? Tu crois qu'avoir des burnes, ça suffira à me faire tomber? T'as pas idée de qui me protège, hein? Les flics, vous êtes tous des morts en sursis. Vous ignorez juste la date de votre mort. J'ai pas le temps de te torturer. Dommage, j'aurais adoré ça. Oh, pitié! Je vous en prie, non, ne me tuez pas. Écoutez, moi, je fais juste tourner le club. Et pour tout le reste, c'est ce type. Il m'a forcé la main, je vous jure. Quel type? Toro. Donc, tu l'as vu? Il se pointe parfois au club, jamais bien longtemps. Sa voix est déformée, c'est flippant comme truc. Frankie Fine, tu feras ce que je te dis de faire. Il vient seulement pour Lacey, je vous en prie. Lacey Love? C'est carrément une obsession chez lui. Il ne la laissera jamais partir. Lacey, elle vous le dira. Oh. Avance! Allez, entre là-dedans. Vous êtes avec Toro? Quoi? Non. Alors il ment. Vous devez me croire, John. J'aimais Cody. Toro est dingue, il croit que je lui appartiens. Et j'ai rien fait pour ça, moi. Je vous le jure, c'est la vérité. Je vous crois. Et je vais vous débarrasser de ce malade. J'imagine que vous savez qui il est vraiment. Vous allez arranger un rendez-vous pour moi, ce soir, à 8h, au Mogosho à la Palace. Juste à la sortie de la ville. Dites-lui que j'ai ces 5 millions. Dites-lui que Joe Vig est mort, que Frankie Fine est mort. Je veux qu'il s'amène avec vous. Dites-lui que c'est vous contre le pognon, comme ça je suis sûr qu'il viendra. Vous avez dit que vous aimiez Cody, pas vrai? Alors faites ça pour moi. D'accord? Et dites-lui aussi, s'il s'avise de me faire un sale plan, je lui botterai le cul jusque dans sa tombe. Hey, salut. Tu tombes bien, j'allais t'appeler. Tu penses être libre pour le réveillon de Noël? Écoute, Arnold, j'ai besoin de ton aide. Je me suis arrangé pour rencontrer Toro. Toro? Ouais. Non, c'est impossible. Écoute, je suis tombé sur quelque chose que Toro recherche. Je peux faire un marché avec lui, mais j'aurais besoin d'appui tactique, tu piges? Je t'en prie, quoi. Tout ce que je veux, Arnold, c'est que Toro récupère ce qui est à lui et qu'il libère la femme de Cody. La seule chose qui cloche, John, c'est que Toro n'a rien à voir avec la mort de Cody. Bah, si j'en crois les six, c'est pas tout à fait exact. Arnold, je veux juste que tu m'aides. Toi et quelques membres de l'ancienne équipe pour couvrir mes arrières pendant que moi je fais l'échange. Et je vous laisse tous les honneurs pour cette arrestation. Je veux juste Lacey. C'est tout, c'est le deal. Briggs nous lâche. On est tout seul. T'es sûr que t'es prêt pour ça? Mon pote est mort. L'équipe aussi.
On n'est que toi et moi, alors ouais, je suis prêt. Dis-moi où et quand. Et combien de pourris je vais pouvoir me faire. Est inextricablement liée à celle de la région. La légende veut qu'il ait été bâti autour d'un trou portant le nom de Porte de l'Enfer. Ce trou est réputé si profond que nul n'en a jamais vu le fond. Depuis, on raconte que des hybrides, animaux humains, ont été repérés alors qu'ils se glissaient hors du trou. Et parfois de sombres créatures ailées sont aperçues volant au-dessus des jardins. Et si ce sont bien les portes de l'enfer, alors le moment est venu de refermer ces saletés une bonne fois pour toutes. Bane, je suis en visuel, je te couvre. T'as trouvé ton perchoir ? Affirmatif. Bane, on a du mouvement. Deux camionnettes, une voiture. Elles se séparent. Ils ne courent pas de risque. Ouais, ça, je m'y attendais. Tiens-moi au courant. Camionnette se dirige vers toi. J'ai perdu le visuel sur les deux autres. Je bouge. Reste sur le second poste de tir. Ok, j'ai un visuel sur les deux autres véhicules. Ils se garent près de toi. De mon côté, j'ai 6 tangos au sol. Tu me les repères ? Affirmatif. De ton frère, comme tu l'as demandé. Je sais que t'es là. Tu rôdes parmi les morts. Du mouvement sur le mur d'enceinte négatif. On se déplace vers les zones du château. Bien reçu. Alors, t'es là, Payne ?
Au milieu des tombes. Ça ferait une parfaite épitaphe pour toi. John Payne, il marchait parmi les morts. Comment tu trouves ça, John? Il marchait parmi les morts. Comment tu trouves ça? Et toi, t'en dis quoi, Taureau? Trouillard! Montre-toi! Toujours aucun signe d'eux. Rien sur le mur de ronde. Attendez, monsieur, on a quelque chose. Tireur repéré sur la mezzanine nord-est. T'es installé. Affirmatif, je l'ai en visuel. T'as qu'un mot à dire. Payne, tu me voulais, je suis là! T'attends quoi? Feu à volonté. Ça, c'est pour sa famille. Ça, c'est pour Monica. Tu peux pas te cacher, enfoiré. Ça, c'était pour Vali. Celui-là, c'est pour sa famille. Plus le temps de courir. Allez, Taureau, à nous de jouer. Où est mon argent, Payne? Caché dans la chapelle. Tu la relâches et je t'y conduis. Le fric est dans une mallette. Des 5 millions d'euros. Mais merde. Laisse la fille et je te montre où il est caché. Et qui me dit que tu me racontes pas les salades? Que mon pognon est bien là-dedans? Non, l'argent contre la fille, donnant, donnant. Je l'ai fait sortir. T'as un angle de tir. Je le tiens. T'es dans ma ligne de mire, enfoiré. Monsieur, on a localisé le tireur. Parfait. Éliminez-les, tous les deux. Qu'on en finisse. John, attention! Laissez! Traître à tes propres hommes. Mouvement sur ta gauche. C'est terminé. Jette ton arme dans le puits. Bien joué, Arnold. Où est l'argent? C'est quoi l'histoire ce coup-ci? Raconte-moi. Ce coup-ci, l'histoire, elle tient en deux lignes. T'es mort, comme tous les autres, Lessie y compris. Et moi,
Je récupère mes 5 millions et je disparais. Voilà, fin de l'histoire. Allez, envoie la mallette. Ça, tu vas disparaître, je te l'accorde. J'avais déjà découvert que Toro, c'était toi. Et depuis quand tu le savais? Le coup du chapeau, c'était amusant. Par contre, très peu de gens se baladent avec un Colt 1911 à poignée en nacre, portant l'insigne de notre ancienne unité. C'était pas très malin. Sérieux, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas pouvoir filer comme ça? Comment elle se finit, ton histoire? La légende John Payne est tuée en service par Toro, qui, pas de chance, réussit à s'échapper. Quelle ironie. Et moi qui étais prêt à coincer ce gars. Allez, assez rigolé, envoie la mallette. C'est moi que tu cherches? Oh que oui. Je vais t'étriper comme je l'ai fait avec Fally. Oui, comme je l'ai fait avec Fally. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez fouiller la maison de Fally, la mettre à sac s'il le faut, et trouver mon argent. Toute l'unité qui tournait en rond et qui n'arrivait à rien. Suffisait de les réaffecter sur d'autres affaires. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi les tuer? Et pourquoi Cody? Parce qu'elle l'aimait. Et je voulais qu'elle ne soit qu'à moi. Aussi simple que ça, il devait dégager. C'était pas du business. C'était pas les affaires. Non, là, c'était personnel. Et Fally et sa famille, ses enfants! Donne-moi cette mallette! Tous ces gens sont morts juste parce qu'une femme se refusait à toi! On était que des pions, John! Et j'en avais assez d'être qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Je voulais être à mon compte. Épargne-moi la corvée de devoir la laver de ton sang et envoie la putain de mallette! Ça, c'est pour Cody, espèce d'enfoiré. Ça suffit, allez, file-moi cette foutue mallette! Je vois déjà ce qui va se passer. Tu vas essayer de me coller une balle. Mais ça suffira pas. Et Cody, et pour ça je prendrai ta misérable vie. Eh oui, mon vieux, t'aurais dû vérifier tes munitions. Et avant ça, t'aurais dû changer la combinaison de ton coffre. Tu m'as laissé m'approcher. M'approcher trop de près, Arnold.
Je suis à vous dans une minute. Installez-vous où vous voulez. Dites-moi, je vous écoute. Je veux juste un café, Adina. Adina, c'est moi. Smith. Pas la Adina qui travaille au service de nuit. Je vois. Ouais. Mon médecin dit que c'est une bonne thérapie. M'ouvrir aux gens, découvrir et rencontrer du monde. S'intéresser. Il a raison. Je devrais faire pareil. Vous avez parlé d'un médecin ou j'ai rêvé? C'est une blessure. Un accident. Un accident de la circulation. Oh, franchement, mon mari me ferait une crise s'il m'entendait vous raconter ma vie comme ça, là. Quelqu'un d'avisé, votre mari? Il l'était, oui. Mais il m'a laissé un petit cadeau. Qu'est-ce que je vous sers? Juste un petit café. D'accord. Votre stylo, je pourrais vous l'emprunter, s'il vous plaît. Ah, oui, John. Je reviens avec votre café. D'accord. Salut. Lucy. Tout va aller à merveille, je vous le jure. Ayez confiance. Je repasse s'il vous faut autre chose. Thank you.
jamais il vous arrivait de passer par New York, passez me voir. Ce bar qui autrefois se nommait le House of Pain est aujourd'hui devenu Cody's. Au plaisir de vous revoir. John. C'est ce qu'aurait voulu Cody. Ouais. Et voilà, c'est fait. Alors, tu vas rester dans le coin ? Bah, j'y réfléchis. Et toi ? Oh non, vieux, moi j'ai envie de goûter la paix et la tranquillité de mon bar. Ah ouais. En tout cas, je sais où me faire offrir une bière quand je serai à New York. Ah oui, bien sûr. Quoi ? Paix et tranquillité. On raconte que chez toi, retaper la déco, c'est exploser les murs avec deux gros mafieux. Hein ? Les frères Zito. Je suis au courant. On dit que t'en as frappé un avec son flingue et qu'ensuite tu l'as jeté par la fenêtre vu que t'avais décidé de la changer. Et mon passage préféré, c'est quand tu leur expliques comment tu vas les exploser avant de t'y mettre. Ça te rappelle quelque chose ? Oh, tu sais ce que c'est, les gens ont tendance à exagérer les choses. Ouais. C'est plus intéressant. Allez, raconte, tu t'es battu, oui ou non ? Se battre, c'est un échange de coups. Sérieux, mec ? Paix et tranquillité, mon cul. T'es sûr de la vouloir, cette bière ? Et à ADS, ils m'ont proposé de reprendre le fauteuil de Briggs. Y crois-toi à cette connerie ? Ah ouais ? Donc si un jour t'en as assez de la limonade, garde mon numéro, ça peut te servir.